montrer comment je fais mes vidéos. Donc alors, on va commencer. J'ai mes deux applications. Donc j'utilise celle-ci pour filmer mes vidéos. Donc là par exemple, la vidéo elle tourne. Ici je peux prendre des photos. Voilà. Bon, je la jette à la poubelle parce que j'en ai pas besoin. Ici c'est pour arrêter ma vidéo, ce qui est au milieu. Une fois que ma vidéo a été filmée, je vais sur capture recorder. Voilà. Et donc après ici il y a toutes les vidéos que j'ai filmées. Et donc après je vais dans modifier la vidéo. Donc par exemple si je veux modifier, je sais pas moi, elle. Bon j'aime pas trop faire mes montages sur ça, du coup j'enregistre la vidéo en utilisant ça. Ah oui d'ailleurs je peux aussi utiliser les crayons là. Voilà. Ensuite je vais sur Word Director. Voilà, donc ça charge. Hein. Je vais dans nouveau projet. Je marque ce que je veux, je peux faire ça. Je clique sur OK. Et donc pour mettre des images, moi ce que je fais, déjà je rangeais des images. Par exemple, ces images, c'est des images que j'ai prises sur internet. Et celle-ci, c'est la salle que j'ai pris en cliquant sur ça, sur le truc en bas. Donc, clique sur plus. Ici, ça sert à rajouter des motifs. Donc, par exemple, je mets ça. Du coup, quand ça traverse là, ça fait un motif pour changer les images. Quand on clique sur ça, t'as des titres, tu choisis ton titre. Donc moi je mets ça. En cliquant dessus, vous pouvez effacer, marquer ce que vous voulez. En cliquant sur le petit T, vous pouvez choisir en couleur, faire des réglages, mettre en capital, en grosses lettres. Voilà, comme ça par exemple. Là je peux faire des ombres. Vous voyez, comme ça. Et pour mettre de la musique, vous allez dans ça. Vous avez des musiques là, par exemple. Vous les ajoutez en cliquant sur le petit plus. Vous voyez. Après ça, c'est toutes les musiques que j'ai enregistrées. Alors, comment on fait pour les enregistrer? Là, c'est différent. Vous allez sur YouTube. Et vous... Attendez, je reviens. Voilà. Vous marquez la musique que vous voulez. Moi, je mets une musique comme ça. Je... Par exemple, elle. Je passe à moi. Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle mal de mes... Attendez. Voilà. Vous allez dans la petite flèche, cliquez dessus et vous cliquez sur copier le lien. Voilà. Ensuite, vous allez sur Internet. Vous marquez convertisseur YouTube MP3. Vous avez ça. Vous restez longtemps appuyé dessus. Vous cliquez sur coller. Après, vous mettez télécharger. Il va vous mettre sur une autre page. Vous la supprimez, la page. Donc là, ça charge. Et après, vous cliquez sur télécharger le fichier. Et là, il charge.
Et maintenant, une fois qu'elle est chargée, vous rollez sur l'application. Vous allez dans ici. Et normalement, votre musique est enregistrée. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Ensuite, votre vidéo, si vous voulez la mettre, bah, normalement, du coup, elle est là-dedans, puisque vous l'aviez enregistrée. Vous cliquez dessus, vous l'ajoutez. Et là, vous pouvez mettre de la musique. Ensuite, t'as les palettes de couleurs. Ça, moi, j'utilise pas. Enfin, j'ai jamais utilisé, en tout cas. Vous avez plein de sortes. Par exemple, là, j'ai mis sorte brillante. C'est vraiment flashy. Vous en avez plein. Vous avez laser, par exemple. C'est bizarre. Vous en avez plein. Attends, essayez de vous en trouver un bien. Ah, comme ça, par exemple. Vous avez l'impression qu'il est dans l'eau. Très joli. Voilà. Et une fois que vous... Une fois que vous avez décidé que votre vidéo est faite, vous cliquez sur ça, vous mettez soit partager sur YouTube, ou moi je clique enregistrer dans galerie ou sous carte ou sur carte. Vous cliquez sur produire. Donc vous attendez à que ça soit à 100%. Ça va prendre quand même un petit bout de temps. Voilà, j'ai pas mis à charger. Une fois que c'est fait, vous allez dans... dans la petite caméra que vous voyez. Elle est là. Cliquez dessus. Et normalement, la musique que vous avez... la vidéo que vous avez enregistrée est là. Donc vous cliquez dessus. Donc vous mettez votre titre. Vous pouvez mettre des trucs en description. Et une fois que vous avez mis, vous envoyez en cliquant sur le petit avion. Et après, bah, votre vidéo charge et elle est mise en ligne. Ça charge. Voilà comment on fait. Bye bye.